Hello, hello, c'est Laura. Aujourd'hui, on part sur une séance de 30 minutes cardiovasculaire. Donc, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, d'ouvrir les fenêtres et d'avoir des bonnes baskets. Juste ça. Et on démarre très, très vite avec nos 3-4 minutes d'échauffement. On commence debout, pied largeur de hanche. On lève les bras vers le plafond. On inspire et à l'expiration, on regarde vers ses genoux. On attrape ses avant-bras et on relâche de droite à gauche, de gauche à droite. On attrape juste les avant-bras pour mettre plus de poids de corps et on regarde bien vers ses genoux. On laisse les mains au sol et on vient avancer tranquillement dans sa planche. On s'arrête main sous les épaules et de nouveau j'étire mon dos et je viens écraser talon droit, talon gauche pour échauffer mes mollets. Et j'expire et j'expire. On va essayer de garder les deux talons dans le sol si c'est possible et on commence ensuite à échauffer ses hanches en revenant en planche et push back, je pousse mes fessiers très très loin vers l'arrière et je reviens, encore 3. Dernière, je ramène pied droit et pied gauche devant, on est en position accroupi, je relâche de droite à gauche, gauche à droite, je garde mes deux pieds ancrés dans le sol et je viens twister, regardez le bout de mes doigts, essayez de garder bien vos deux talons dans le sol, pour ça n'hésitez pas à écarter un peu plus les jambes. Et je mets mes mains hop devant, on remonte avec les jambes plus ou moins tendues et on redéroule tranquillement. On vient vers sa hanche à droite, à gauche, à droite, à gauche et on fait dans l'autre sens. Intérieur, intérieur. Ok, on échauffe un petit peu les chevilles. On va imaginer qu'on marche sur la lune. On va venir se mettre sur le talon, sur la pointe de pied. Quand j'ai terminé, j'amorce avec l'autre jambe. Vous faites 3-4 pas et ensuite vous recommencez. Talon, déroule, pointe. Talon, déroule, pointe, talon, déroule, pointe. On refait un aller-retour, talon, pointe, ça vient vous faire travailler aussi l'équilibre. Montez bien le genou, attendez d'être sur la pointe pour poser l'autre jambe. On termine avec l'autre tour. Talon, je suis sur la pointe, je peux poser l'autre jambe. Hop, et hop. Ok, revenez un peu sur place, bougez un petit peu les chevilles. Ok, on commence avec pas mal au niveau des articulations. Maintenant, il va falloir mettre un petit pic cardio. Donc, on va venir mettre hop, les pieds de droite à gauche, je relâche encore mes chevilles. Et là, je prends appui sur la jambe droite, appui sur la jambe gauche. On va chercher un petit peu plus loin si on a de la place. On part en patineur de droite à gauche. Ok, top. On enchaîne mouvement de fente. Pas à l'arrière, droite, puis gauche. Quand je vous dis jambe droite, on bloque et on vient rajouter les bras comme un sprinter. Droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart. On alterne. Droite et gauche. Attention, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte et on alterne encore. Pour ceux qui sont à l'aise, faites-moi des pas vers l'avant. Ça demande un petit peu plus de force dans vos abdominaux et mettre plus de force dans la poussée dans le talon. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reviens, sur deux jambes, droite directe. Et à chaque fois qu'on pose une jambe, on rajoute les bras. On en fait encore deux. Et la dernière, je descends bien mon genou, genou fléché sous la cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient, on relâche un petit peu tout ça. Donc, on a fait notre petit échauffement. On va
pouvoir partir sur notre premier set avec trois exercices. Le premier, ça va être un squat. Je croise mes bras devant, pousse bien tes fessiers vers l'arrière. Je remonte, pointe de pied. Squat, pointe. Pour ceux qui sont à l'aise, on rajoutera peut-être des impacts. Ensuite, jambes dissociées. Je recule ma jambe à l'arrière. Alors, c'est pas que un coup de genou. Le genou s'arrête là, si c'est juste une montée de genou. Mais là, je rajoute un coup de hanche. Ok, donc là, il faut bien serrer ses abdos. On vient les travailler sur ce mouvement-là. Le dernier, c'est un jack. Première option. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ok, pas devant, pas devant, pas derrière, pas derrière. Ou sinon ici. Allez, on va faire premier tour, 20 secondes de chaque. Puis 30, puis 40. Et on verra ce qui se passe après. Allez, on est prêt. On démarre 20 secondes, squat planche. Go. Squat, pointe de pied. Croise, puis pousse avec les bras derrière. Préparez-vous à changer. On va faire ensuite 10 secondes d'une jambe, 10 secondes de l'autre. Top, recule les jambes gauche. Les deux pieds en avant et en arrière. Jumping jack. Ok, stop. On enchaîne maintenant, on est sur 30 secondes. Squat toujours pointe de pied. Voilà. On essaye de croiser, de pousser les paumes de main derrière pour essayer de monter le plus haut possible. C'est parti.
le troisième. Et après, on part sur le dernier. Après, petite récupération. Ça va? On peut accélérer? Allez, go! Allez, on amortit bien. Tout est coordonné, les bras et les jambes. Expirez bien. Top! 50 secondes. On est prêt? On s'accroche. C'est le dernier. Après, on fait une bonne petite pause. Un petit peu les étirer, vous inquiétez pas. On fait 5, 4, 3, 2, 1, top. Nickel. Let's go. Vous entendez ma respiration, essayez de faire pareil. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, on avance une petite seconde. Bam. Allez, énervez-vous sur ce coup de pied. Boum. On enchaîne, l'autre jambe. Allez, pensez bien au coup de hanche. Activez vos fessiers, poussez avec la hanche. Pour que ce soit le genou qui finisse dans l'estomac. Allez, on va sentir ses abdos sur ce mouvement-là. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, juste montez le genou. Ok? 5 secondes. Ou un peu plus. Ça dépend si je vous fais une blague ou pas. Ok, relâchez. On y retourne. Le dernier. Marche, marche. Recule, recule. Allez, on est sur le baby jack. Est-ce qu'on peut monter sur le grand jack? Ouais, on va essayer, hein. Allez. Accrochez-vous. Je bois comme vous. Donc du coup, on va passer à des jacks où on touche le sol maintenant, avec ensuite des sprinters et on va terminer avec des planches jacks. On l'a pas encore fait celui-là. Donc 40 secondes de chaque exercice, ça va donner première option, hop, je décale. Deuxième option, touche en alterné. Ensuite, deuxième exercice, le sprinter, reculer la jambe, je lève le genou. Pas obligé de toucher le sol si vous sentez que vous arrondissez le dos. Ensuite, planche, jack, main au sol en planche, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et sinon, avec les deux jambes. Ça va? Vous n'êtes pas encore perdu? Ok. Je vous propose qu'on parte dans 15 secondes avec le sourire et ça va bien se passer. Ouvrez tous les fenêtres, tout ce que vous voulez pour vous sentir à l'aise. On commence, option 1, squat, jack décalé. Hop. Attention de ne pas arrondir le dos. C'est un squat à chaque fois que je fais sur le côté. Ce que je ne veux pas voir, c'est j'arrondis et je reviens.
c'est notre grosse partie cardio. Après, si vous restez un petit peu d'énergie, on viendra faire des abdominaux. Oui, oui, oui. Allez, si ça va mieux, accélère. Je suis toujours sur l'option 1. Essayez de la garder pour le premier tour pour vous réchauffer. Top. On enchaîne. Le deuxième, le sprinter. Les mains au sol, reculez la jambe gauche et on la lève. Et si ça va, je le saute. Changez de jambe, de l'autre côté. Activez vos bras, cherchez la hauteur avec le sommet du crâne. Donc moi, vous pouvez voir que mon dos, un petit peu, il est un peu arrondi sur les lombaires, mais c'est juste ma scoliose. Je ne peux pas faire plus droite. Ok, top. On est bon. On va au sol, tranquillement. Mains sous les épaules, je tends mes jambes et j'ouvre et je ferme. On est parti. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. À tout moment, si vous avez mal au poignet, hop, on se met sur les avant-bras. Et là, ça marche aussi. Attention de ne pas avoir les fesses ici. On revient. Je sais pas vous, mais moi j'ai très 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 chaud. C'est très très bien ce que vous faites. Posez, relâchez. Est-ce que ça vous dit de faire 15 secondes de chaque exercice? On essaye. Allez, on tente ça. Préparez-vous. On fait 15 secondes, 15 secondes au sol et 15 secondes de planche sans bouger. On y va dans 3 petites secondes. Allez, go. Allez, on fera que 2 tours si vous arrivez à me placer le 15-15 à la fin. Sinon, vous faites un tour de 40 secondes de chaque exercice en plus. Top. Sprinter. 4 d'un côté. 4 de l'autre. 4, 3, 2, 1. Je m'installe en planche. Je reste 15 secondes. Contractez les cuisses, les fessiers, rentrez votre ventre. 10 petites secondes, même pas. Et je pose. Ok, on en a fait un, on passe au deuxième, on en fait plus que deux, ok? C'est parti, donc si ça va, ici, et je reviens, ça c'est la deuxième étape, 3, 2, 1, go! Jack qui touche le sol, plus ou moins, si vous êtes fatigué, arrêtez-vous avant. Allez, si possible, je veux pas avoir de main comme ça sur les cuisses. Allez. Top. Je me place. Je fais 20 secondes d'une jambe, 20 secondes de l'autre. Si je peux pas toucher le dos, je reste ici et je monte le genou. Sinon, hop, je monte. Allez, combien on en fait pendant 20 secondes? Comptez et faites-moi la même chose de l'autre côté. Hop.
hanche, jack. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et ça va, mes deux jambes. Je vous conseille de le garder pour les 20 dernières secondes, d'accord? On y va, il reste 15 secondes. Stop. On fait tout, ok? 15 secondes, on y va ensemble, go! Secondes, deux planches, après on fait une petite pause, promis. Ok, posez, buvez un petit coup. Si vous n'êtes pas parti sur les 15-15, il faudra me rajouter un tour de 40-40 à la fin, d'accord? Allez, on y va. Dernier tour pour ceux qui ont fait le 15-15. 5 secondes et ça redémarre. Prenez plus de récup si vous en avez besoin. Et à tout moment, si je suis fatiguée, je décale de droite à la gauche. Tac, tac, tac. Pour éviter de mettre la main sur les cuisses, mettez-la dans le dos, ça va vous forcer à vous redresser. Allez, accrochez-vous. 4, 3, 2, 1. Très bien. Le dernier. Après, on a le tour de 15-15. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Accrochez-vous. 5, 4, 3, 2, 1. On recommence. 15 secondes. Là, c'est bon, c'est la bonne. Après ça, on n'a plus rien. Plus de cardio, en tout cas. On bouge pas pendant 15 secondes. On repousse le sol, on contracte les cuisses, les fessiers. Et on pose. Très bien, ça c'est fait. Allez, on reboit un petit coup d'eau. On va travailler nos abdominaux, relâcher un petit peu vers le plafond à droite à gauche. Ok, placez-vous au sol. On va enchaîner 3 petites minutes de renforcement musculaire au niveau des abdos.
Je sais que vous aimez bien terminer avec ça, donc on termine avec ça. On va venir faire. Hop. On s'allonge au sol confortablement, n'est-ce pas? On vient toucher en alternance le tibia ou la pointe de pied. Premier exercice. Le deuxième, je reste au sol. Des petits ciseaux. Et le dernier, on va venir monter à la corde. Okay, on les a déjà fait ceux-là. Donc maintenant, on ne se pose pas de questions. Et bien, on y va, c'est parti. Allongez-vous au sol. Touche tibia. Pour ceux qui ont mal au cervical, soutenez votre tête à chaque répétition. C'est parti, les petits ciseaux. On peut avoir la tête au sol si on le souhaite. On prend son temps. Pour ceux qui sont à l'aise, au deuxième tour, on va venir descendre avec les deux jambes si c'est possible. Montez de corde, écartez les pieds larges au sol et on remonte tout doucement et on descend. Inspire et expire pour remonter. Tac, 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 je descends, je descends. On en fait encore deux. Pour ceux qui sont à l'aise, décollez les jambes non-stop. Tournez les épaules, essayez de décoller un peu plus haut les omoplates si vous pouvez. On relâche. C'est on fire. Donc option 1, et si on peut, option 2, avec les deux jambes vers le sol. Ok, on remonte, on essaye en tout cas. Après, on fait un dernier tour. Ouf. Ouf. 20 petites secondes. Et c'est la dernière. Descends, descends, descends. Inspire, expire pour remonter. Dernière et après, c'est le dernier tour. Ouf. Allez, l'option pour le soir. Avec les pieds au sol, soit pieds décollés. Et je tourne à chaque fois mes épaules pour toucher le côté du tibia. Un coup à droite, un coup à gauche. J'expire bien. Allez, on a fait 20 secondes de chaque exercice. On s'accroche sur les dernières. Ok, relâchez un peu. Les petits ciseaux. Attrapez vos genoux. Hop, on remonte. La dernière. On enroule. Objectif de 8. Allez, arrondissez bien. Faites vertèbre après vertèbre. La dernière et après on pourra rester au sol. Et je relâche. Et c'est bon.
Tendez les bras, tendez les jambes. Étirez-moi tout ça. Bras sur les côtés. Laissez tomber un peu vos genoux de droite à gauche. Gauche à droite. Attrapez vos genoux. Hop, remontez. Ok. On vient tirer un tout petit peu les fessiers. Main derrière le dos. Je place cheville hop, sur ma cuisse et j'essaye d'ouvrir mon genou au maximum vers l'extérieur. Et on change. Hop. Et j'essaye de pousser le genou. Je le pousse, je le pousse, je le pousse. Et on relâche. Très bien. Attrapez hop, vos jambes. On les tend au maximum pour essayer d'étirer les arrières de cuisses, les ischio-jambiers. Ok, placez les mains derrière. On remonte tranquillement sur la position accroupie du tout début. On remet ses hanches en place. Prenez hop, un point d'appui au sol, les deux talons dans le sol. Étirez un petit peu vos cervicales. On se redresse tout doucement. On vient pousser avec son coude, son genou. On twist. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va prendre une bonne douche et un bon verre d'eau. Bravo à vous pour cette session. Je vous dis à très vite pour les suivantes. Salut !